Seigneur Dieu, notre précieux Père céleste, je voudrais encore au nom de l'Assemblée te dire merci. Seigneur, c'est vrai, autrefois, nous étions des croyants du mercredi, samedi et dimanche de tous les jours. Mais il est arrivé un moment, nous sommes devenus des croyants de samedi et dimanche. Et aujourd'hui, nous sommes des croyants de dimanche. Ô Seigneur, c'est vrai que nous commettons des erreurs. Mais puisses-tu ne pas regarder à nos erreurs, mais nous regarder au travers du sang de l'agneau. Seigneur, ne nous abandonne pas dans cette position. Ramène-nous à notre premier amour, Seigneur Jésus. Redonne-nous encore ce zèle que nous avons autrefois, lorsque nous avons reçu la parole, où nous étions prêts même à abandonner nos études. Nous sommes prêts à tout abandonner pour toi, Seigneur. Oh, ne nous laisse pas nous éloigner de toi. Mais garde-nous là auprès de la croix, jusqu'à ce que, Seigneur, la promesse que tu nous as faite soit accomplie dans notre vie. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit remplisse chaque cœur, oh Dieu Tout-Puissant. Jusqu'à ce que ce qui nous influence, nous soyons délivrés de la chose au Père éternel. Garde-nous là au pied de la croix, jusqu'à ce que nous trouvons la solution à nos problèmes. Le résultat, Seigneur, oh Dieu, ce à quoi notre cœur aspire, qu'il soit en conformité à ta parole, Seigneur Jésus. Pendant que ce matin nous venons nous assembler ici, nous voulons te prier de bénir les questions et les réponses. Ceux qui vont répondre sont des hommes, sont des femmes, Seigneur. Mais nous avons besoin de ta sagesse. Tu as dit que ta parole ne peut être apportée que par ta sagesse. Et ce matin, nous n'avons pas besoin d'une sagesse d'homme. Nous avons besoin de ta sagesse. C'est pourquoi, comme Moïse l'a dit, tiens-toi devant nous, alors nous irons. Si tu ne te tiens pas, Seigneur, nous n'irons pas. Oh Dieu, nous t'invitons ce matin à prendre le devant, à inspirer chaque frère, chaque sœur, à nous accorder l'intelligence, nous ouvrant l'esprit, Seigneur, afin de pouvoir répondre pour que tous nous soyons édifiés. Car tu as dit que tout doit être fait pour l'édification. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te recommander toutes choses, afin que tu bénisses toutes choses et que ta volonté soit faite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Encore shalom à tous les frères et sœurs. Je crois qu'on est vraiment fatigué, mais on doit tenir le coup. Amen. Nous allons chanter quelques cantiques. Et après cela, nous allons passer aux questions et réponses. On vient de m'annoncer qu'il y a 3 questions. C'est vrai, frère. En dehors de la question de la sœur Marie-Laure, donc plus la question de la sœur Marie-Laure, ça fait 4 questions. Ok. Je suis pèlerin étranger pendant ce monde pécheur sur ma route vers la cité. Oh, 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 quand le Saint on va répondre ensemble. Amen. Parce que je ne veux pas moi seul être heureux. Je veux qu'on soit tous heureux. Amen. Si tu n'es pas fatigué, chante tout heure. Parce que tu ne veux pas être de ce monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ici qu'il veut être de ce monde. Amen. Donc chantons ce cantique avec la foi. C'est notre prière. C'est ce que nous désirons. Exprimons notre sentiment au travers de ce cantique. Amen. On reprend. Je suis pèlerin étranger, errant dans ce monde, pécheur sur ma route vers la cité. Oh, 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 oh. Lorsque les saints entreront. Oh, quand les saints. Quand les saints entreront. Oui, entreront.
Je sais que je verrai mon sauveur. Je sais, je verrai mon sauveur. Si ma vie est libérée, si ma vie est libérée, le ciel m'ouvrira ses portes. Le ciel m'ouvrira ses portes. Lorsque les saints entreront, autour du trône. Assemblés autour du trône. Et les portes sont fermées. Et les portes sont fermées. Je crierai gloire, gloire. Je crierai gloire, gloire. Lorsque les saints entreront. Lorsque les saints. Et ce jour, je veux être là aussi. Entreront. Oh, quand les saints. Le chariot descend. J'attends que le chariot descende. Et je monterai à bord. Et je monterai à bord. Sur les nuées, j'irai au ciel. Sur les nuées, j'irai au ciel. Oh, oh. Lorsque les saints entreront. Oui, quand les saints. Puissamment le Seigneur, et nous devons le croire de tout notre cœur, que quand les saints entreront, nous serons là. Et nous devons attendre là, dans la promesse. Le prophète dit, attendez les promesses dans la promesse. Et si nous nous tenons dans la promesse, alors quand les saints entreront, c'est sûr que nous entrerons aussi. C'est pourquoi Joseph a dit, vous allez partir dans le pays promis, ne laissez pas mes os ici. Il faudrait que mes os soient enterrés dans le pays promis. Parce que c'est là que le Seigneur va nous visiter. Il ne visite en aucun autre lieu que dans le lieu de la promesse. Amen. Donc si nous demeurons là dans le lieu de la promesse, c'est sûr que quand le Seigneur viendra, il nous trouvera là. Amen. Sur ce, nous allons nous asseoir et nous allons passer aux différentes questions. Je vais demander au diacre Abraham de nous lire d'abord les questions et après nous allons répondre aux questions après l'autre. Shalom frères et sœurs, nous avons ce jour 4 questions, 3 questions du frère Guy Saint-Jean. La première question est la suivante: un diacre a-t-il la permission d'avoir plusieurs femmes? Sa deuxième question: pourquoi quand Jésus est mort à la croix et que l'eau et le sang furent sortis de lui, quelle est la révélation qui découle de cela? La troisième question: l'Église a combien de fondements?
La quatrième question est celle de notre sœur Marie-Laure. Concernant la prédication sur l'adoption, y a-t-il un processus la concernant? Si oui, comment se fait-il? Amen. C'est les quatre questions. D'accord. Première question. Un diacre a-t-il la permission d'avoir plusieurs femmes? Deuxième question. Pourquoi quand Jésus est mort à la croix et que l'eau et le sang furent sortis de son côté, quelle est la révélation qui en découle? Et trois, l'Église a combien de fondements? Quatrième question, concernant la prédication sur l'adoption, y a-t-il un processus la concernant? Si oui, comment cela se fait-il? Donc, différentes. On va nous lire maintenant la première question à laquelle nous allons répondre. La première question à laquelle nous allons répondre. C'est. Pourquoi plusieurs femmes? Est-ce qu'un diacre a-t-il la permission à plusieurs femmes? Parce qu'il est écrit ici dans Luc 2 que le diacre soit mari d'une seule femme. Donc, vu cette traduction, vu ce verset, est-ce que les diacres ont la permission d'avoir plusieurs femmes, sachant que nous croyons ici qu'un homme peut avoir plusieurs femmes? Est-ce que le diacre est concerné? Donc, je m'oriente ici vers les sœurs. Si une sœur a un élément de réponse qui peut nous aider, elle peut juste faire signe de la main et nous allons lui passer le micro. Parmi les sœurs, il n'y a pas de sœurs disponibles à nous répondre. Ok. Parmi les frères, qui veut dire quelque chose? Parmi les frères. Waouh. Ok, frère Yves, faisons notre travail. Amen. On va prendre la parole de Dieu. On va prendre 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Romains 3, 4. Ouais, Jean, j'espère que tu suis la lecture de ce passage. Romains 3, 4. Oui. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Tout homme pour menteur. Maintenant, selon qu'il est écrit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans l'Écriture? On va aller dans Exode 21, verset 10. Exode 21, verset 10. Oui. S'il prend une autre femme, on dit que si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture. Il ne va rien retrancher pour la première. À la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugaux. Avant d'arriver au diaconat, je veux poser d'abord la question au frère. Est-ce que le diacre, c'est un homme? Frère Jean, est-ce que le diacre, c'est un homme? Il est concerné aussi par ça. Maintenant, dans le livre de 1 Timothée 3, je crois que ça parle verset 8, si je ne me trompe pas. Frère Jacob, tu peux m'aider. D'accord? 11 à 12 là-bas. Les théologiens ont beaucoup travaillé dans notre Bible. 1 Timothée 3, verset 12. Oui, vas-y.
Les diacres doivent être mariés, maris d'une seule femme. Ici, il dit que les diacres doivent être maris d'une seule femme. Vas-y. Et bien, et diriger bien leurs enfants, oui, et leur propre maison. Oui. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable, tu vois, et une grande assurance de foi en Jésus-Christ. Maintenant, le diacre, là, lui, fait quoi? Il met de l'ordre. Il met de l'ordre dans l'assemblée. Dans l'Ancien Testament, les gens mettaient de l'ordre. Est-ce que ils étaient, comment je peux dire, monogames? Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs de Dieu dans l'Écriture qui ont mis de l'ordre. Est-ce qu'ils étaient monogames? Ils étaient polygames? Maintenant, regarde, on va prendre la version Semeur de ce même passage de l'Écriture qui va nous dire que le diacre doit être un mari fidèle. C'est ce que la parole de Dieu a recommandé. Frère Conan, si tu as la version Semeur, tu peux la lire. Les théologiens ont vraiment travaillé pour détruire la pensée vraiment du Seigneur concernant le mariage. 1 Timothée 3, verset 12. Oui. Dans la version Semeur. Vas-y. Il est écrit. Oui. Que les diacres soient des maris fidèles. Tu vois, non? Qu'ils assument. Des maris fidèles. Vas-y. Qu'ils assument bien leurs responsabilités, oui, à l'égard de leurs enfants et de leur famille. Oui. Car ceux qui remplissent bien leur ministère acquièrent une situation respectée et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Tu vois, non? Une grande assurance. Mais il dit que ça doit être des maris fidèles. Fidèles à leurs vœux de mariage. Et ils doivent tenir leurs enfants dans le respect, dans la soumission de la parole de Dieu. De l'Ancien au Nouveau Testament, ceux qui mettaient l'Église de Dieu en ordre. Je vais prendre par exemple, comment il s'appelle? Salomon. Je vais prendre David. C'était des personnes qui mettaient de l'ordre aussi dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu vois? Frère Jean, tu as posé la question, est-ce qu'il est permis au diacre d'avoir plusieurs femmes ou bien uniquement une seule femme? Je t'ai montré d'abord que le diacre, c'est un homme. Et cette portion de l'Écriture là le concerne. C'est qu'on a lu dans Exode 21:10 là. Tu vois, non? S'il a le désir de prendre une autre femme, il a le droit, il a ce droit là. Je veux qu'on lise encore une dernière portion de l'Écriture dans Deutéronome 27:20, je crois, dans la version Semeur. Tu vas voir ce que Dieu a dit par Moïse dans la loi. 27:20, il va dire quelque chose que Paul a utilisé pour trancher une affaire dans 1 Corinthiens 5 là-bas. Deutéronome 27:20. Maintenant, si tu as trouvé, tu peux lire ça dans version Semeur. Deutéronome chapitre 27. Verset 20. Le verset 20. Il est écrit, oui. Maudit soit celui qui couche avec l'une des femmes de son père, car il porte ainsi atteinte à son père. Tu vois, non, frère? Le diacre, ce n'est pas un homme. Il n'est pas concerné aussi par ça. S'il a le désir d'avoir une autre femme, cela en relation avec Exode 21:10 qu'on a lu. Donc, lui, selon les théologiens, a travaillé pour détruire la pensée que Dieu avait donnée et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. D'accord, je vais m'arrêter là. Yves, effectivement, vous l'a dit. Il a lu deux traductions différentes. Ce que nous devons comprendre, frère, je parle aussi sur l'Internet. Parce que sur l'Internet. Et ils vont faire sortir des citations disant que William Branham dit que le diacre
doit être mari d'une seule femme. Ils vont faire sortir ces choses. Et nous, nous ne sommes pas levés de nous-mêmes pour dire qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. C'est Branham qui nous a appris ça. C'est lui qui nous a appris ça. Donc on ne peut pas dire quelque chose qui soit contraire à ce que William Branham a enseigné. Alors il serait bon de nous approcher pour voir notre position par rapport au prophète William Branham sur ce cas. Dans 1 Timothée 3, verset 1, la Bible parle de la même chose. Celui qui aspire à la charge d'évêque, qu'il soit mari d'une seule femme. N'est-ce pas? Mais nous savons que le Nouveau Testament n'est que l'enseignement tiré de l'Ancien Testament. Donc nous devons d'abord aller dans l'Ancien Testament pour voir qui sont les évêques là-bas. Et si nous comprenons qui sont les évêques là-bas, alors on va comprendre qui sont les évêques dans l'Église. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Je prends l'exemple d'un évêque, Salomon. Et ça, c'est William Branham lui-même qui le dit. Salomon a été établi comme évêque, un surveillant général. Salomon, un surveillant général. Et je monte plus haut. Dieu lui-même, c'est lui qui est l'évêque, le surveillant général. Mais Dieu dit dans Zacharie, j'ai combien de femmes? Donc lui, il est Ézéchiel plutôt. J'ai deux femmes. Lui, le surveillant général, Dieu lui-même, il dit qu'il a deux femmes. Donc, est-ce à dire que William Branham contredit Dieu? Non. William Branham ne contredit pas Dieu. Au contraire, William Branham est venu nous exprimer la pensée exacte de Dieu. Lui second ne nous donne pas la pensée exacte de Dieu. Lui second, c'est un baptiste. Et il a traduit la même phrase qu'il a traduit là. Semeur a traduit la même phrase, mais d'une autre manière. Donc, pour dire que ce n'est pas la manière dont Luc II a traduit qui est la manière originelle. On se comprend? Luc II dit il faut avoir une seule femme. Mais comment le monde interprète la fidélité? Le monde interprète la fidélité comme un homme qui a épousé une seule femme et en dehors d'elle, il n'a plus d'autre femme. Voici comment l'homme interprète la fidélité. C'est pourquoi quand il traduit, il met que l'évêque soit marié d'une seule femme. Mais quand dans les choses, comment il s'appelle là? Quand ce maître traduit, il dit qu'il soit un mari fidèle. Or, quand William Branham est venu nous montrer la pensée de Dieu concernant la fidélité, ça n'avait rien à voir avec être marié à une seule femme. D'abord, c'était être fidèle à la parole de Dieu elle-même, être fidèle à son engagement envers Dieu, être fidèle à la parole de Dieu, être fidèle à son vœu. C'est ça, infidèle. C'est ça, infidèle. La Bible même dit que celui qui ne prend pas soin des siens, de sa famille, est pire qu'un infidèle. Tu vois? Donc, ça ne veut pas dire qu'il allait prendre d'autres femmes. Mais le fait qu'il ne prenne pas soin de sa famille, la Bible dit, lui, il est pire qu'un infidèle. Donc, ce qui veut dire que d'abord, il est infidèle, mais il est pire. Donc, la fidélité ne se résume pas à avoir une seule femme. Mais la fidélité se résume d'abord envers Dieu, envers la parole de Dieu et envers son vœu. L'engagement que tu as pris envers Dieu. Si le diacre a une seule femme et qu'il est infidèle à la parole, il n'est pas digne. Si l'évêque a une seule femme, qu'il est infidèle à sa parole, il n'est pas digne. S'il est infidèle à son vœu de mariage, il n'est pas digne. Donc, cela n'a rien à voir avec avoir une seule femme. Tu vois, donc je t'ai montré que Dieu, qui est lui-même le surveillant général, avait deux femmes. Et dans ces temps-ci, il a divorcé une, il avait l'autre, mais il a dit que l'autre, il va la reprendre encore. Lorsque le Seigneur va quitter les nations pour aller vers Israël, il va la reprendre. Donc, les deux seront là. Ah, c'est Dieu. Salomon, qui était aussi un évêque, un surveillant général, lui, il avait 1000 femmes. Alors, c'était un évêque. Tu vois? Donc, l'évêque peut avoir autant de femmes qu'il veut, mais il lui a demandé d'être fidèle à son vœu, d'être fidèle à la parole. C'est tout ce que la Bible demande.
Je ne sais pas si tu m'as compris. Voilà. Il en est du même du diacre. Donc ici, c'est Luc II qui a fait cette traduction. Voilà. Donc si William Branham a dit que Salomon était un évêque, c'est que ça ne peut pas contredire ce verset-là. Si dans l'Ancien Testament, qu'est l'ombre, l'évêque a eu plusieurs femmes et dans la réalité. Voilà. Donc, je vais m'arrêter. L'espace où le frère a compris. C'est bon? Ok. Sœur, vous avez compris? On va passer à la prochaine question. Seconde question. Quand Jésus est mort à la croix et que l'eau et le sang puissent sortir de son côté, quelle est la révélation qui en découle? Ok. Sœur. Oui. Donnez le micro à la sœur Marie-Laure. Qu'est-ce que cela signifie, ce sang et l'eau qui a coulé? Amen. Selon ma compréhension, quand Jésus a été crucifié, que son côté a été percé, et que l'eau et le sang sont sortis, cela typifiait la naissance de l'épouse. C'est comme ça que moi je comprends. D'accord. Quelqu'un veut dire quelque chose allant dans la même direction ou autre chose? Parmi les frères? Amen. Ce qu'il a dit là, c'est ça. Ce qu'il a dit là, c'est ça. Ce qui s'est passé avec Adam, c'est la même chose qui s'est passé avec Jésus. L'eau et le sang qui sont sortis là, c'était l'épouse. Ou bien tu ne comprends pas encore. C'était la naissance de l'épouse. L'eau et le sang. Lorsque un enfant naît, il y a d'abord l'eau qui sort. Quand tu dis ta femme perd les os, c'est l'eau qui sort. Maintenant après, c'est le sang qui suit. Et puis le corps, voilà. Ça apparaît, c'est comme ça. C'était la naissance de l'épouse. De la même manière que du côté d'Adam, son côté là, Dieu a pris côte pour faire la femme. C'est comme ça, du même côté aussi de Jésus, l'épouse est sortie.
Pour corroborer ce que nous avons dit, dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, il dit : Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Bon, là, c'est une tradition qui n'est pas correcte. Sinon, après l'avoir purifiée par l'eau de la parole, dans la tradition d'Arbi, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache. Amen. Voilà. Donc, l'eau, c'est le type de la parole. Le sang, qui est... Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on immolait les agneaux, et plutôt on tuait un animal, la Bible ne pas manger la chair avec le sang. Parce que l'âme, en griffe, la vie de l'animal se trouvait dans le sang. Voilà. Donc, le Seigneur a donné sa vie, la parole, pour que l'Église naisse. Comme une femme qui est en train de mettre un enfant au monde, elle se trouve entre la mort et la vie. Pour apporter la vie, il faut qu'il y ait mort. Quand on sème une graine, elle meurt pour donner la vie. Donc Jésus-Christ est en train de mourir et en même temps donner la vie à l'épouse, la vie à l'Église. Je ne sais pas si tu me comprends. Voilà, il donnait vie à l'Église. L'Église sortait, il donnait vie à l'Église. Et c'est ainsi que l'Église est venue. Et l'Église a la même vie que le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ce sang chimique, mais c'est la vie de la parole. L'eau qui est la parole et la vie qui est dans la parole, qui est l'Esprit. Amen. Voilà. On va passer à la prochaine question. Amen. La troisième question est celle-ci. L'Église a combien de fondements? L'Église a combien de fondements? Sœur, on nous demande l'Église a combien de fondements? Oui, donnez le micro à la sœur Amanda. Amen. Amen. Bon, je n'ai pas la référence exacte, mais j'ai la pensée. La Bible dit que l'Église a été établie sur le fondement des prophètes et des apôtres. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà, donc la Bible est claire, on a été édifié sur le fondement. Le, c'est un seul fondement, donc on est établi sur un fondement, celui des apôtres et des prophètes. Ok. Une autre sœur va-t-elle ajouter quelque chose ou dire autre chose? Oui, parmi les frères. Quelqu'un veut-il apporter un élément de réponse? Oui, frère Christian. Amen. Je vais lire dans Matthieu. D'abord dans 1 Corinthiens 3, 10. Il est écrit.
selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Donc là, la question c'est de savoir, l'Église a combien de fondements? L'Église a un fondement, à savoir Christ, la parole vivante du Seigneur. C'est ce que je viens de lire. Amen. Oui, effectivement, pour compléter ce que la sœur et le frère ont dit. Effectivement, c'est pour ajouter à ce que la sœur et le frère ont dit, parce que les Écritures nous parlent d'un seul fondement. En plus des versets qu'ils ont pris, il y a aussi 1 Corinthiens 3, verset 11, qui dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé avec, à savoir Jésus-Christ. » Au verset 12, il a aussi dit, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, » au verset 14, il a encore dit, « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, » et donc avec toutes ces écritures, nous pouvons conclure qu'il y a un seul fondement. On va donner le micro au frère qui a posé la question. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Maintenant, d'où vient ta question? Bon, j'avais entendu dire des autres personnes qui parlaient que l'Église a plusieurs fondements. Donc, ils expliquaient. Bon, ça m'a paru un peu bizarre. J'ai dit que pour avoir plus la vraie réponse, il fallait que je vienne dans l'Assemblée, dans mon Assemblée, pour avoir la vraie réponse. C'est pourquoi j'ai posé la question. OK. Mais est-ce que tu es satisfait? Oui, ça va. OK. Donc, on peut continuer. Oui, la prochaine question. La quatrième question. Concernant la prédication sur l'adoption, y a-t-il un processus la concernant? Si oui, comment cela se fait-il? OK. Les sœurs, concernant la prédication, l'adoption, est-ce qu'il y a un processus? Si oui, laquelle? Vous savez qu'il y a une adoption, non? Vous connaissez l'adoption. Vous comprenez l'adoption. Est-ce qu'il y a un processus? Là, vous ne savez pas. OK, du côté des frères. Il n'y a aucun frère. OK, frère Yves. Amen. Bien évidemment que il y a un processus. C'est une œuvre qui est faite. C'est une action qui est menée pour un résultat. Le premier qui a été adopté dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus, son placement,
quand Dieu l'a adopté dans sa famille, la Bible dit que il y a eu d'abord quelque chose. Jésus est né par une action, par une parole qui a été prononcée, sortie de Dieu. C'est venu à une dame et on a vu la suite vraiment des choses. Mais je veux qu'on lise Ézéchiel 36 à partir du verset 20. Ézéchiel 36. L'adoption qui est le placement, ça commence quelque part. On ne peut pas être adopté sans posséder certaines choses, sans être par l'action de Dieu, sans recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vas-y. Ézéchiel 36, à partir du verset 20. Il est écrit, « Ils sont arrivés chez la nation où ils allaient et ils ont profané... » Non, pardon, prends verset 24. Verset... Oui, oui. D'accord. Ézéchiel 36, à partir du verset 24. Ézéchiel 36, à partir du verset 24, est écrit, « Je vous retirerai dans les nations, je vous rassemblerai de tout le pays... et je vous ramènerai dans le pays, dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Donc, tu comprends que ce n'est pas l'action d'un être humain. C'est l'action de Dieu. Mais ce Dieu-là, quand il va se mettre à agir, là, ce sera par un intermédiaire. Ce sera par un intermédiaire. Vois l'action qui a été par Jésus. On a vu que le relais est passé de Jésus aux apôtres. Mais les apôtres, ils ont été dans un processus. Avant d'être adoptés, avant que Dieu fasse une position ou place ces personnes à la Pentecôte, il y a eu un travail qui a été fait. Donc, c'est ce travail-là qui est en train d'être relaté dans Ézéchiel 36. Vas-y. Je vous donnerai un cœur nouveau. Oui. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enterrai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Oui. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous en serviez. Et vous pratiquiez mes lois. Vas-y. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple. Et je serai votre Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Quand on prend dans Matthieu 17, le Seigneur lui a donné son esprit. Un être humain qui est devenu l'habitation, le tabernacle, le temple de Dieu. De manière à ce que sa parole était la parole de Dieu. Sa signature était la signature de Dieu. Au point où, quand Pierre s'est mis à faire une déclaration en dehors de la volonté de Dieu, disant, « Seigneur, il est bon qu'on reste ici. Il est bon qu'on soit dans cet endroit. Il est bon qu'on soit canalisé ici. » La Bible dit qu'il y a une nuée lumineuse qui a entouré et Jésus, et Élie et Moïse. Et de la nuée, une voix est sortie, disant, « Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir d'habiter. Écoutez-le. » Le Père n'a pas dit « Écoutez-moi. » Non. Il dit « Écoutez-le. » Mais avant que ce Jésus soit écouté, il a fallu que ce Jésus ait le baptême du Saint-Esprit. Frère, lis ça, s'il te plaît, dans Matthieu 17, 4 à 6. Matthieu 17, verset 4 au verset 6. Matthieu 17. 4 à 6. 4 à 6, l'est écrit. Oui, vas-y. Pierre prend la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici.
Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Oui. Et voici, une voix fit entendre la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il dit, écoutez le Père. Écoutez-le. Il dit d'écouter l'homme là. L'homme qui était devenu le temple de Dieu. Maintenant, l'Écriture nous dit dans Colossiens 1,15 que le Fils là, celui-là, il était le premier entre beaucoup de frères. Et regarde que il était le prototype. Dieu allait adopter aussi d'autres à sa suite. À la Pentecôte, on a vu que le Seigneur a fait quelque chose dans la chambre haute et les gens sont sortis pour exprimer ce qui était à l'intérieur d'eux. Parce que Jésus avait dit dans Jean 14, 12, que les œuvres, l'action qui est menée là, ce n'est pas moi, mais c'est le Père à l'intérieur de moi qui habite à l'intérieur de moi qui fait ça. Donc il était en train de montrer qu'il était le tabernacle, le temple du Père pour mener ce genre d'action. Et il a dit qu'il n'était pas seulement lui seul ce temple. À la Pentecôte, on a vu que Dieu aussi s'est déversé dans des temples humains semblables à Jésus. Au point où l'un de ces temples, prenant la parole, va déclarer quelque chose en Actes chapitre 2, versets 13 et 14. Il faut lire, frère, s'il te plaît. Il est écrit Actes 2, versets 13 et 14. Oui. Mais d'autres se moquaient et disaient, oui, ils sont pleins de vin doux. Mm-hmm. Alors Pierre, se dressant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Oui. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, oui, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Il dit prêtez l'oreille à mes paroles. La parole de Pierre, là, est devenue la parole de Dieu parce que Pierre a reçu la même réalité que le Seigneur a reçue. Vas-y. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Oui. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vas-y. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans une action qui a bouleversé le monde en leur temps. Viens maintenant au verset 37. Actes chapitre 2, verset 37. Oui. Il est écrit. Oui. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Oui. Et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, oui, repentez-vous de et que chacun de vous. On devait écouter ce Jésus, ce temple-là. Pierre étant devenu aussi ce temple, on lui pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Ils étaient tellement touchés par la vie de Christ dans Pierre qu'ils ont posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir comme vous? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la même réalité? Pierre maintenant prend la parole, il déclare, vas-y. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Maintenant, elle a parlé d'un processus. On voit ça au verset 42 du même chapitre, Acte 2. Mais je vais lire un dernier passage dans Acte 4, à partir du verset 28. Jusqu'à 31. Quelque chose encore qui s'est fait. Les disciples ont été menacés par le fait que ils avaient posé une action qui avait bouleversé tout Jérusalem. Un homme avait été guéri. Ils ont été mis en prison, Pierre et son collègue Jean. Une action va être faite à la suite d'une prière.
Vas-y. Acte 4, à partir du verset 27. Oui, oui. Le décret. Oui. En effet, contre ton Saint-Fils Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, oui, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Vas-y. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Oui. Et donne à ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Vas-y. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Mm-hmm. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Oui. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tu vois, leur parole est devenue quelque chose. Dieu a encore fait une action, il les a remplis davantage. Mais ils étaient avant ça dans un processus. Ils étaient au pied d'un ministère qui les a conduits avec une feuille de route, de manière à ce qu'ils rentrent dans la même réalité que ce ministère-là, qui était Jésus-Christ. De façon à ce que leur parole est devenue la parole de Dieu. Leur signature est devenue la signature de Dieu. Car c'est ça l'adoption. Où la parole du Fils a la même valeur que la parole du Père. Et là, la parole de Pierre avec la même valeur que la parole du Père. La parole de Pierre a la même valeur que la parole du premier fils Jésus-Christ. Et c'est ce processus-là, c'est dans celui-là que nous sommes, afin d'avoir la même réalité, de façon à ce que Éphésiens 3, 16 là, à 19 s'accomplisse, où Dieu dit que les hommes vont être remplis de toute la plénitude de la divinité. On va avoir encore des êtres humains sur la terre ici, dont leur parole a la même valeur que la parole de Dieu. Je vais m'arrêter là. Merci. À appuyer ce que le frère Yves a dit. L'adoption, c'est quand Dieu fait de son fils responsable de l'héritage que lui Dieu laisse. Quel est l'héritage? C'est la parole, l'œuvre que Dieu, la parole de Dieu. Mais l'œuvre que Dieu laisse à faire sur la terre. L'œuvre que Dieu laisse à faire sur la terre. À quel moment l'héritage entre en compte? L'héritage entre en compte lorsque le Père se souvient et que le Père laisse le Fils agir. Mais aussi longtemps que le Père lui-même il est en action, l'héritage n'est pas comme on appelle valorisé. Parce que l'héritage, tout ce que le Père, ce n'est pas son héritage à lui, c'est sa possession. C'est pour lui. Parce que Dieu n'a hérité de personne. Et le Père n'hérite pas du Fils. Vous voyez, Dieu qui est notre Père là, il n'hérite d'aucun autre Dieu. Suivez bien. Et le Père n'hérite pas du Fils. Donc Dieu qui est notre Père ne va pas hériter de Jésus. Amen. Et Dieu n'héritera de rien de nous. Son premier fils, qui est Jésus là, le corps là, a hérité. Et quand il a hérité, il s'en est servi. Et il a montré, il a hérité de quoi? De la puissance du Père. Donc comme il dit, la voix de Dieu était quoi? La voix de cet homme-là qui était Jésus-là. La vie de Dieu était la vie de cet homme-là qui était Jésus-là. C'est pourquoi l'Écriture dit, comme le Père a la vie en lui, il a. On n'a pas dit le Fils lui a arraché ça. Comme le Père a la vie en lui, il a aussi fait quoi? Il a aussi donner cette vie-là au Fils. C'est le Père. Donc la vie du Fils vient du Père. Vous-même, vous êtes là. La vie que vous avez là, ça vient de qui? Ça vient de votre Père. Il fallait que votre Père soit vivant pour que vous existez. Il faut que vous soyez vivant par rapport à un être humain sur la terre. C'est comme ça. Donc c'est un processus.
Donc tout ce que ce Jésus-là a hérité, là, comme il dit là, il n'est pas parti avec ça. Il a utilisé l'héritage et il a montré aux apôtres comment on utilise la parole de Dieu, dans laquelle la parole de Dieu, dans laquelle, ou même la parole de Dieu qui contient tout notre héritage. La parole de Dieu, c'est comme une chambre, c'est comme une maison. Il faut avoir une clé pour mettre et ouvrir et entrer et faire quoi? Et prendre tout ce qui est dedans là pour me présenter ça aux gens. Tu vois un peu? Non, la parole de Dieu est un trésor, est un lieu de trésor. On rentre, c'est une maison, voilà la clé. Je te donnerai la clé du royaume. Ils ont demandé à Pierre, que ferons-nous? Ils ne savent pas comment faire pour entrer, pour être sauvé. Pierre maintenant prend quoi? La clé, il met dans le problème qu'ils ont posé là, et puis il ouvre le problème. Et quand il ouvre, les gens voient que pour être sauvé, ils voient qu'il y a la repentance dans la maison. Ils voient que quoi? Il y a le baptême d'eau dans la maison. Et ils voient que quoi? Il y a le baptême du Saint-Esprit dans la maison. C'est pas ça? Si ils prennent tout ça là, ils seront dans le royaume. Donc c'est ça d'abord, suivez bien les soeurs. Maintenant, comment on appelle ça? L'adoption est un processus. Comme il a dit là, il a pris beaucoup les versets de l'Ancien Testament, mais il y a aussi le verset du Nouveau Testament où il nous a dit que Jésus-Christ croissait en stature et en sagesse. Donc ça veut dire qu'il faisait quoi? Il grandissait au fur et à mesure dans quoi? Dans l'œuvre de Dieu. Il grandissait dans la compréhension. Vous voyez? Il croissait. Donc, de la même dont le premier fils croissait, c'est comme ça que tous les enfants aussi doivent croître. Et l'apôtre Paul a parlé de cela. Pierre aussi a parlé. 2 Pierre 1 à 8. La stature de l'homme. Vous voyez, l'Écriture parle. Il dit que jusqu'à atteindre la stature de l'homme parfait. Une stature. Donc, une taille. Maintenant, ce que le frère dit, dans la prédication, la parole fait chair. Je lisais ça même hier, avant-hier, la parole fait chair. Il dit, dedans, il dit, parole fait chair, paragraphe 175. Ce n'est donc pas étonnant ce qui est arrivé lorsque Jésus est descendu de la colline ce soir-là. Parce que pour les gens, beaucoup de ce que Jésus a fait est étonnant. Mais le but du messager est de nous dire que ce n'est pas étonnant. Et quand nous disons aux gens que ce n'est pas étonnant, les gens ont l'impression que nous voulons rabaisser Jésus. On veut dire qu'il n'est rien. Non. Mais il faut qu'on leur dise que non, que ce que Jésus a fait là, nous tous, nous pouvons faire ça. C'est ça qu'est l'évangile. C'est ça qu'est l'adoption. Un pasteur me disait, comme la dernière fois, Caleb, il est venu ici, il me dit, non, c'est pas maintenant, est-ce que ce que Jésus fait là, toi tu peux faire? Frère Bernard me répond, il dit, ceux qui posent la question comme ça, là, sont des inconscients. Et il a dit, c'est ici, il est arrivé à là. Il dit, comment on peut poser une telle question? Il dit, est-ce que ce que Jésus a fait, est-ce qu'on peut faire? Il dit, et pourtant c'est bien écrit qu'on a la promesse de faire comme il va faire. Et tout est possible à celui qui croit. Mais seulement que comme Jésus-Christ croissait en stature et en sagesse, nous aussi on doit croître en stature et en sagesse. Arriver au stade qu'on va faire tout ce qu'il a fait. Parce que ce n'est pas lui qui le fait lui-même, c'est le Père qui a promis faire ça au travers de nous. Mais lui, il se soustrait. Quand on dit se soustrait, ça veut dire que il ne disparaît pas parce qu'il existe toujours. Il se voile et il nous met devant. Donc, quand il se voile, il a le Père. Mais c'est ce qu'on voit devant là qu'est le Fils. Donc, chaque enfant de Dieu est quoi? Est le voile de Dieu. Celui qui veut connaître le Père. Quand Jésus a dit que nul ne vient de ton Père s'il ne passe par moi. Hein? C'était l'homme physique là. Pas comme ça, le fils de Marie. L'homme physique là, mais c'est par les enseignements qu'il donnait, c'est les enseignements qu'il a là.
Il faut le rencontrer lui pour passer par les enseignements. Est-ce que vous comprenez? Et il a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. C'est à l'instant physique, à l'instant T. Quand par exemple Jacob prêche et puis dit celui qui m'a vu a vu le Père, ça peut choquer les gens. Parce que pour eux, c'est Jésus seul qui avait le droit de dire ça. Non, il disait ça aux gens qui étaient en Israël. Et chaque enfant de Dieu doit dire ça aux gens qui se trouvent dans son village, dans sa maison, dans son pays, dans sa classe, dans son travail, que pour connaître le Père, il faut passer par moi. Chaque enfant de Dieu doit le dire. Ce n'est pas une parole réservée à Jésus. Il le disait pour ceux qui étaient devant lui. Vous voyez? Et aujourd'hui, quand on prêche, on a l'impression que nous sommes sacrilèges. Il dit, ce n'est donc pas étonnant. Ce qui est arrivé lorsque Jésus est descendu de la colline ce soir-là et qu'il a regardé cet arbre, cherchant à manger, et qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait rien à manger sur ce arbre. Il dit, que plus personne ne mange de ton fruit. Et il poursuivit son chemin. Le lendemain, de retour, l'arbre était sec. Mais ce n'est pas Jésus qui pouvait faire ça. Frère Branham va expliquer ça. Il dit, il faut que nous arrivions à ce stade-là. C'est pour ça que nous croyons la parole de Dieu. On n'est pas assis ici pour contempler le fils de Marie. Non. Et puis nous ne sommes pas là pour lui. Nous ne sommes pas là pour lui. On n'est pas ici pour le fils de Marie. Non. Nous sommes ici pour le Dieu créateur du ciel et la terre, pour manifester ce qu'il a manifesté et pour accomplir notre promesse. Il dit, la pensée de Dieu, il explique, la pensée qui, au commencement, était d'abord une pensée avant d'être une parole. Suivez bien. Il dit, Jésus a pensé, Jésus a prononcé et Jésus a cru. Mais si tu penses, tu prononces que tu ne crois pas, ça ne va pas arriver. Alors toute la prédication que nous sommes en train de faire, parlant de l'adoption et tout ça là, on est en train de vous amener à avoir une pensée. Pour arriver à la fois déjà penser ça. Une fois que tu penses, il faut croire ça. Et si tu crois ça fortement, ça va s'accomplir. Il y a un temps pour penser. Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour que cela s'accomplisse. Il y a un processus. Il dit, la pensée de Dieu, la pensée qui était au commencement, était d'abord une pensée avant une parole. Il dit, c'est ce que Jésus exprima. Bien. C'est ce que Jésus exprima. Frère, vous devez faire tout ce que Jésus a fait. C'est pourquoi nos erreurs, nos faiblesses, on doit lutter. On doit se battre, Dieu nous fera la grâce. Ce n'est pas parce que moi j'aurai une erreur avec soit un frère, une soeur, une peine dehors, un collègue, ou qui que ce soit, ou bien des erreurs de ma vie, que ces erreurs-là vont avoir le pouvoir de m'empêcher de croire ce que je dois croire. Et à cause de leur faiblesse, ils n'arrivent pas à croire qu'ils peuvent faire comme Jésus. Ils sont battus. Or, on doit apporter un évangile qui enlève ça de leur esprit. Mais comment vous pouvez vous imaginer qu'à l'évangélisation, les gens sont d'accord avec vous que Dieu n'a pas de maman, mais ils veulent discuter avec vous que Jésus, que le fils de Marie est Dieu. En même temps, ils croient que Dieu n'a pas de maman, en même temps, ils veulent discuter que Jésus est Dieu. C'est bizarre. Donc, ils sont d'accord avec vous. Hein? S'ils sont sages, ils doivent vous écouter pour pouvoir avoir des arguments pour expliquer comment est-ce que Jésus, là, hein, il est le fils de Marie et comment est-ce qu'il est Dieu. Et c'est vous qui avez ces arguments pour montrer qu'il est fils de Marie, là. Hein, et en même temps, il est Dieu. C'est vous seuls qui avez les arguments. Mais eux, ils n'ont pas les arguments, mais ils viennent discuter. Donc, il faut un enseignement, un pasteur, un message, un enseignement fort qui va enlever ça de leur esprit. Et une fois qu'elles enlèvent cette faiblesse de leur esprit, directement, ça leur donne quoi? Un pouvoir. On va remplacer leurs mauvaises idées par un pouvoir. Par quoi? Par la foi. C'est un processus.
sommes là-dedans. On dit, tu peux faire comme Jésus. Mais est-ce que Jésus-Christ là, il a commencé les miracles là quand il est né? On doit la demander. À 11 ans, il a commencé les miracles. À 12 ans, il a fait quoi? C'est ça, il a fait quoi? Il a eu le temps de grandir année après année jusqu'à ce que il atteigne ce qu'il doit atteindre. Nous aussi, on doit atteindre ce qu'on doit atteindre. Maintenant, pourquoi avez-vous forcé à faire ce que lui, il a fait? Je ne sais pas si vous suivez un peu. Croyez en vous. Parce que lui croyait en lui. Continue de lire, il dit quoi? Jésus, il dit le même. Le même, exprimant de nouveau cette parole. Voyez. Le même, Jésus-Christ exprimant de nouveau cette parole. Vas-y. Et chaque parole de la Bible est la pensée de Dieu. Chaque parole du Fils de Marie. Chaque parole de la Bible est la pensée de Dieu. Reposant sous forme de semence. Reposant sous forme d'enseignement. L'enseignement, c'est quoi? L'enseignement est une semence. Donc, ce qu'on vous donne là, on sème en vous, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui veulent enlever cette semence-là. Vas-y. Laquelle? Laquelle? Si elle est reçue. Si la semence est reçue. Dans l'être humain. Dans qui? Dans Jésus? Dans qui? Dans l'être humain. Non, nous, on veut que les êtres humains reçoivent ça. Mais il y a des gens qui font un travail là-bas pour ne pas qu'ils reçoivent ça. Vous voyez? C'est des antichrists dans le message. Vas-y. Dans l'être humain. Dans l'être humain. Et prononcé par la même pensée. Et si on prononce dans l'être humain, si l'être humain a cette semence, il a ça, il accepte. Et que l'être humain prononce avec la même pensée, c'est-à-dire une pensée vierge, pure de foi. Vas-y. Par la même pensée qui a oui. matérialisé la Bible, amène la chose à l'accomplissement. Dites amen. Mais c'est pourquoi vous priez. Sinon, vos prières servent à quoi? Quand les soeurs qui ont besoin d'enfants sont en train de parler pour avoir un enfant, mais elles demandent qu'il y ait là, qu'il y ait quelque chose là où il n'y en a pas. Est-ce que c'est faux? Elles demandent qu'il y ait un enfant dans un foyer où il n'y a pas d'enfant. Et c'est à leur parole et à leur foi. Si leur pensée est constante, cette pensée et cette foi finira par apporter cet enfant-là. C'est pourquoi la foi défie les âges. La foi défie l'âge que tu as. La foi défie les maladies. La foi ne marche pas avec votre condition. La foi met toute condition de côté. Donc quand un pasteur qui enseigne, les gens disent non, on ne peut pas faire ça. Il doit déposer le micro. Ce pasteur-là n'a pas le droit d'enseigner une assemblée. Il doit déposer le micro. On prêche pour conduire. On conduit l'église à qui? On conduit l'église à Dieu pour que l'église devienne Dieu. Amen. C'est le but. Vas-y. Voyez-vous ce que je veux dire? Le prophète demande, est-ce que vous voyez? Donc moi j'ai dit à ceux qui sont sur le net, lisez la brochure de Branham. Lisez, cet homme est un vrai homme de Dieu. Cet homme nous aide. Vous qui vous plaignez pour qu'on lise ces brochures. Mais c'est un manuel qui nous aide. Ces enseignements nous ont aidés et continuent de nous aider. Lisez ça, ça va vous aider. Vous-même dans vos évangélisations, à force de parler de Branham, vous ne voyez pas que les gens maintenant qui viennent à la brochure de Branham devant vous, ils commencent à lire. C'est pourquoi dans vos évangélisations, parlez de lui. Amen. N'ayez pas peur. Amen. Même si vous traitez de Branhamisme, parlez de lui. Amen. Parlez de lui. Ça va les pousser à aller lire. Combien puissante paraît être l'Église? Il dit combien puissante sera l'Église? La Bible a dit. La Bible a dit que cette pensée qui était en Christ soit en vous. Soit en vous, dites amen. Vas-y. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Et c'est en cela que Jésus, le fils de Marie, croissait en stature et en sagesse jusqu'à ce que ses pensées soient les pensées de toute la parole de Dieu. Amen. Oh non, il est né parole. Vous pensez que quand on dit la parole faite chair, c'est la chair de l'homme? Non, hein? Il explique ça ici. Hein? La parole faite chair, là, ce n'est pas votre corps ni le corps de Jésus. Et cette parole s'est faite chair et habitée. Non, non. C'est-à-dire que la parole que Dieu a prononcée, là, la parole disait, le message de la parole, c'était que cette parole devait créer un corps. Donc la parole a créé un corps. Donc la parole, son résultat a donné ce que la parole veut. Et on dit non, parole fait chair. Mais ce n'est pas que c'est la chair là, de l'homme là, que la parole. On ne tue pas la parole. À
actuellement sur la plateforme là, nous expliquons les choses correctement. Il n'y a pas aucun aller là. Les gens font semblant. Ils se cachent pour écouter ce que nous disons là. C'est nous qui pouvons expliquer. On explique ça purement et nous donnons de la valeur à ce que Branham a dit. Amen. Parce que c'est vraiment ce que Branham a dit que nous répétons. Même affaire de Jésus-Dieu. Vous lisez ça derrière? Il dit, Jésus n'est pas le Dieu véritable. Attends, il faut lire ça ici. C'est lui qui nous enseigne ça. Pourquoi les gens veulent nous emmerder? Il faut lire ici, paragraphe 59. Il dit quoi? Paragraphe 59. Oui. Mais il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Vivant. Vivant. Et Jésus-Christ est son fils. C'est pas Branham qui a dit ça? C'est parce que nous répétons qu'il y a un seul vrai Dieu. Amen. Et Jésus est son fils. C'est parce que nous prêchons là. Un seul vrai Dieu. Et Jésus est son fils. Mais parce que le seul vrai Dieu habite dans son fils. Amen. Là, il faut qu'on... Il dit quoi? Il reprend ça. Mais. Oui. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu vivant. Il commence à faire. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu vivant, c'est l'Esprit. Et Jésus-Christ est son fils. Et Jésus est son fils. Puis j'ai dit. Oui. Or. Oui. Je suis ici pour le représenter. Abraham dit que lui-même est là pour représenter ce seul vrai Dieu là aussi. Ah, c'est Abraham, le seul vrai Dieu. Ça, c'est faux. On va revenir à ça. Mais je veux quand même que vous compreniez bien. N'ayons pas peur. Frère, nous croissons, nous grandissons. Notre langage doit être de plus en plus clair. Amen. Dans la divinité. Amen. Nous allons au stade où nous devons arriver au stade où nous affirmons notre divinité. Amen. Pourquoi? Parce que le Dieu divin commence à descendre en nous. Amen. Il commence à descendre en nous. Amen. C'est la même chose. Quand je vous ai prêché l'enlèvement, j'ai dit nous sommes déjà dans l'enlèvement. Oui. Mais est-ce que j'ai dit qu'on est enlevé? Non. On est déjà dans l'enlèvement? Qu'est-ce qu'il a dit de l'enlèvement? Il dit l'enlèvement c'est un processus. Il dit il faut qu'il y ait d'abord quoi? Il faut qu'il y ait quelqu'un et puis le cri. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui crie. Est-ce qu'on n'a pas reçu le messager? Est-ce qu'il n'a pas crié le message? Maintenant, qu'est-ce qui va envoyer l'enlèvement? Est-ce que vous pouvez payer dans l'enlèvement sans que le message ne soit? Donc le message est déjà le processus de l'enlèvement. C'est parce que nous sommes dans le processus que Dieu a envoyé un messager. Pourquoi? Pour nous enlever. Donc nous sommes déjà dans le processus de l'enlèvement, mais je n'ai pas dit qu'on a enlevé. N'allez pas changer mon enseignement. Nous sommes dans le processus de la résurrection des corps. Frère, nous sommes dans tout ce que la parole de Dieu a programmé. On est là-dedans? Maintenant, pourquoi les gens viennent nous dire que tu ne peux pas faire? La parole de Dieu m'a dit que je ne peux pas faire. Et puis, maintenant, comme tu peux faire là, c'est les mêmes esprits qu'on dit à Jésus-Christ. Sauve-toi toi-même. Tu n'as pas dit tu peux faire, sauve-toi. C'est les mêmes esprits là. Vas-y, mon frère. Voyez-vous ce que je veux dire? Oui. Combien puissante pourrait être l'Église? La Bible a dit que cette pensée qui était en Christ soit en vous. Que cette pensée qui était en Christ soit quoi? En vous. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Maintenant, vos pensées, si elles deviennent une expression, c'est comme lorsque Dieu a dit qu'il y ait un monde avant que ça devienne une parole, il a fallu que ce soit une pensée. Aussi, Dieu, dans la création, créa d'abord le monde par sa pensée, puis prononça cela. Donc, quand nous sommes en train de prier, quand on prie, et qu'il y a un vide, et que nous voulons combler ce vide-là, déjà nous comblons ce vide-là dans notre pensée. Ce vide-là est déjà comblé dans notre pensée. Et comme ce vide est comblé dans notre pensée, alors nous croyons en notre pensée. Amen. Amen. Et on doit travailler à ce que cette pensée-là soit quoi? Matérialisée, donc puissante. On doit travailler à ça. On doit travailler à ça. Vas-y. Et la pensée, une fois parlée, se matérialisa. Voyez-vous ce que je veux dire? Or, si ce même esprit qui a dit que la lumière soit, et il eut la lumière, qui a dit qu'il y ait des arbres, et il eut des arbres, si cette même pensée qui était en Christ est en vous,
elle pourrait aussi bien dire qu'il n'y ait plus de cancer et il disparaîtra. C'est ça le but d'antenne. C'est la pensée que nous sommes en train de communiquer aux gens pour qu'elle soit dans les gens et les gens viennent nous dire pourquoi nous on dit ça aux gens. Non! Chacun est libre de prendre l'évangile qu'il veut. Vas-y. Que l'aveugle recouvre la vue. Et il en sera ainsi. Et c'est pourquoi les sœurs même peuvent avoir la puissance de la guérison. Est-ce que la puissance de la guérison, c'est une prédication? Est-ce que c'est pas des cinq ministères? Une sœur, c'est les neuf dont tout le monde peut manifester ça. Les sœurs sont dedans. Alors pourquoi s'attendre à un pasteur? Pasteur, prie pour moi, si le pasteur n'a qu'à faire pour moi, le pasteur, la non, ce qu'on demande, pour toi, on demande au pasteur, ça, il s'agit d'un don. Vas-y. Voyez, c'est votre pensée. C'est votre pensée. Jésus a dit, oui. En vérité, oui. Vous direz, oui. C'était Jésus. Oui. Mais, attendez un instant, il a dit. Il dit, c'était Jésus. Vas-y. Mais attendez un instant, il a dit, ayez foi en Dieu. Oui. Car en vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, oui. Ôte-toi de là, oui. Et jette-toi dans la mer. Est-ce que Jésus a dit, si je continue de dire? Non. Jésus donne des conseils aux gens. Là, il devient coach dans la foi. Il dit en vérité, si vous-même vous dites ôte, mais on n'arrive pas à dire parce qu'on ne nous a pas enseigné comme ça. On n'arrive pas, on est des peureux. On regarde la montagne, et puis le gars dit, toi tu peux parler à la montagne, là ça a quitté. Quand Jésus a dit là, tu comprends ce qu'il veut dire, ça c'était spirituel. Et puis il lui dit, mais c'est vrai, montagne qui est là. Et puis ils s'en vont. Mais il faut qu'il y ait un qui les arrête. Pour dire non, si Dieu a dit ce que cela est possible, amen. Croyons et prononçons. Est-ce que aujourd'hui là, les gens ne sont pas en train de casser des montagnes pour faire des routes? Dites-moi. Même la maison de Thérèse Oufo-Boigny a été rasée. Même la maison de Thérèse Oufo-Boigny a été rasée parce qu'il faut que la route passe par là. Donc si nous prononçons la parole, on n'a pas besoin de calculer le temps, mais on doit croire dans ce qu'on a prononcé. C'est tout celui qui a dit de croire. Voilà le grand travail, la bataille dans laquelle nous sommes. Voilà la bataille dans laquelle nous sommes. Pasteur Dengue enseigne n'importe quoi. C'est plutôt lui qui enseigne n'importe quoi. Parce que ce que moi je dis, c'est la parole de Dieu. Vas-y mon frère. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que vous ne doutiez point en votre cœur. Voilà le problème où on doit travailler. Le problème c'est que nous croyons, nous pensons, après nous doutons. Ou bien on pense, on prononce et puis on doute. C'est pourquoi il faut faire un grand travail. On a un grand travail à faire. On doit travailler de telle sorte à ce que notre esprit soit quoi? Nourri des éléments qui chassent le doute. Notre esprit doit être nourri des éléments qui chassent le doute. Notre esprit doit transformer notre vie. Quelqu'un peut être quelqu'un avoir un milliard et puis mal s'habiller en tapette. Quelqu'un peut ne rien avoir et puis en costume. Et à l'état d'esprit des Congolais. Un veste là, c'est tricot chez eux, une chemise. Il n'a rien, mais il est dans la sapologie. Vous voyez? C'est un état d'esprit. C'est-à-dire qu'il n'a rien, mais il est déjà heureux. Un homme qui n'a rien, qui dort dans une... On montre à la télévision dans les ghettos, maisons en bois, mais comment est-ce qu'il peut penser jusqu'à avoir une veste qui est chère, alors qu'il n'a rien? Vous voyez? Donc, il vit à la dimension de sa pensée. Il veut avoir des habits chers. Mais sa pensée n'est pas arrivée au stade de se sortir lui-même de la pauvreté. Je ne sais pas si on me suit un peu. Non, nous sommes en fonction de nos idées. Nous sommes en fonction de nos idées. On est en fonction de nos idées. Vas-y. Et que vous ne doutez point en votre cœur, mais croyez que ce que je vous dis arrivera, et ce que vous dites arrivera, vous aurez ce que vous avez demandé. Vous aurez ce que vous avez demandé. Est-ce vrai? Vous l'aurez, pas moi. Vous l'aurez. Jésus dit, ce n'est pas lui qui va avoir ça, mais vous l'aurez, vous. C'est-à-dire que ça nous engage. N'a-t-il pas toujours dit aux gens qui te soient faits? Selon quoi? Ta foi. Donc travaillons sur notre foi.
que de mêler des gens à nos foi, à nos problèmes, à nos foi. Travaillons sur notre foi. Dieu fait des conditions parce que Dieu a un programme avec toi. Le problème que nous avons là, c'est des programmes de Dieu dans nos vies. Hein. C'est des programmes de Dieu. Vas-y. Oh, quelle puissance a été donnée à l'église. Il dit, oh, quelle puissance a été donnée à l'église. Et ils nous disent, il ne faut pas me prêcher ça. Vas-y. Cela toutefois peut être exprimé par une conception mentale. Mais si cela devient une vraie révélation de Dieu, que vous voyez cela avant que ça n'arrive et que vous l'exprimez sous forme de parole, cette parole prend effet et se réalise et se concrétise. Une pensée exprimée, oh là là, combien Dieu pourrait. Le voyez-vous, votre cœur et votre esprit sont à tel point remplis de l'Esprit de Dieu que vos pensées deviennent ses pensées. Est-ce que vous comprenez ce que Frère Yves disait? La signature de Pierre était devenue la signature de Dieu. Ce n'est pas seulement la signature de Jésus-Christ, de Nazareth. Mais quand la Bible même dit Jésus-Christ de Nazareth, là, il doit savoir que non, que ça veut dire quelque chose. Il y a un Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris quelqu'un qui est dans Nazareth, l'a fait de lui Christ. Ça a tout son sens. Ça a tout son sens. Il va aussi faire des choses avec beaucoup de personnes. C'est des processus. La seule chose qui laisse une église, c'est habillement que dans leur tête, travail, des études. Vous ne vous consacrez même pas à ce genre de choses-là. Quelles que soient vos erreurs et vos faiblesses, et nos erreurs et nos faiblesses-là, nous avons un challenge avec Dieu. On a un rendez-vous en bien de choses dans l'évangile. Vas-y. Amen. Vous y êtes. Quand votre pensée et votre conduite et votre direction deviennent un lieu direct, plutôt une inspiration directe du Saint-Esprit qui dirige votre être mortel. Votre être, oh là là. Votre être mortel. L'être mortel, c'est-à-dire que l'être mortel, l'être faible, l'être à ses défauts-là, peut être quand même dirigé par le Saint-Esprit. Vous êtes en train de dire là? Vas-y. Quel genre de personne devons-nous être? Alors, quel genre de personne devons-nous être quand on est comme ça? Si ce Saint-Esprit même, oui, s'est à ce point personnifié en vous. C'est en cela qu'on parle de la personne du Saint-Esprit. Beaucoup d'hommes savent pas ça dans le message, que le Saint-Esprit finit par devenir un homme. Il y a l'onction du Saint-Esprit. Il y a le sceau du Saint-Esprit. Il y a la personne du Saint-Esprit. Il te prend corps, âme et esprit. Voilà. Continue. Oh, s'il vous a à ce point rempli de puissance. S'il vous a à ce point. Les gens disent c'est Jésus seulement. Tout le monde sera rempli à ce point. Voilà l'adoption. Vas-y. Rempli de puissance. Que vous n'utilisez plus votre propre pensée. Vous n'utilisez plus votre propre pensée. Que vous n'utilisez plus votre propre esprit. Vous ne suivez plus votre. Parce que tu as un esprit propre. C'est ce que Jésus était. Amen. Jésus avait ses propres pensées. Jésus avait son propre esprit. Amen. Mais le Dieu du ciel l'avait habité. Donc il ne pouvait pas faire des choses de lui-même. Sinon, il avait son esprit. C'était un être humain. C'était un être humain. Qu'est-ce qui choque dans tout ce que nous disons? Oh non, le sang de Jésus-Christ. Melchizedek, là, le sang de Jésus était plus fort que le sang de Melchizedek. Qu'on nous dise, chaque fois qu'un sang n'est pas contaminé, c'est la même chose comme pour Jésus-Christ. C'est la même chose. Parce que pour ne pas qu'un sang, soit contaminé, il ne faudrait pas qu'il y ait rapport sexuel. C'est ce qu'eux-mêmes ils disent, Immaculée Conception. Et puis lui-même, il a été conçu. À quel Melchizedek a été conçu? On essaie de montrer les choses aux gens. Les gens disent non, 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 non. Pourquoi vous voulez les diminuer? Mais pourquoi vous voulez les diminuer? Oh non, ils sont venus adorer le bébé. On leur montre que non, l'adoration là, c'était l'idolâtrie. C'était des mal. On leur explique bien, ils comprennent. Hein? Oui, mais les apôtres là l'ont adoré. Mais écoutez, on adore quelque chose lorsqu'on trouve la divinité dedans. Lorsqu'on trouve la divinité dedans, on n'adore jamais un homme. Jésus-Christ lui-même l'a dit ça.
On n'adore pas l'homme, même les images, là, on ne les adore pas. L'apôtre Paul a condamné ceux qui adoraient les images. Christ n'est-il pas l'image de Dieu? N'est-il pas l'image de Dieu? Tout celui qui adore une image est l'idolâtrie. On n'adore pas la représentation de Dieu. On adore Dieu lui-même. Donc quand ils se prosternaient, même si vous voulez, même devant Jésus là, c'est parce qu'ils ont la révélation que la divinité est en lui. Donc ce n'est pas devant un homme qu'ils se prosternaient. Ils se prosternaient, ils allaient au-delà du corps, au-delà du rideau. C'est la divinité qu'ils voyaient. C'est pourquoi même la démons, sinon l'homme que le diable a pris pour le promener sur la montagne, pour lui montrer tant là, c'était Dieu. C'était pas Dieu. C'était un homme qui était un jeune, qui avait faim. Mais Dieu était où ça? Voilé en lui. Et Dieu attendait pour accomplir cette partie du programme-là. Et quand Dieu voulait mettre fin à ça, il lui a dit, parle maintenant. Et il lui a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Et ça t'a accompli. En n'étant jamais Dieu, il a gagné temps. Mais il a vraiment pris l'homme-là. Et l'homme-là a été tenté, oui ou non? Mais Dieu, en cet homme, ne pouvait pas être tenté. Donc c'est Dieu en nous qui nous amène à avoir la victoire. Sinon, on ne peut pas. Satan va nous frapper. C'est Dieu en nous. Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on dise ça? Oh non, toi, tu es né dans le péché, tu n'es pas né comme lui. Est-ce que c'est ça? Sa naissance-là, c'est la seule naissance miraculeuse? On essaie de montrer ce que Dieu fait. Dieu nous amène. C'est un processus, l'adoption. Ne laissez jamais tomber cet enseignement-là. Ça vous rend fort. Ça ne vous rend pas faible. Des hommes, quand ils ferment les yeux, là, c'est un homme à la croix qu'ils voient. C'est l'idolâtrie. L'Écriture dit dans Romains chapitre 1, à partir du verset 16, qu'au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré quoi? Jésus. On n'adore jamais la représentation. On n'adore jamais la créature. Jésus n'est-il pas une créature? L'Écriture n'a-t-il pas dit que non, il est le premier de la création? Est-ce que ce corps-là n'a pas été créé dans le ventre de Marie? Mais les choses sont claires, quoi. Mais les gens ne veulent pas. On ne peut pas adorer ce qui a été créé. Jésus-là, il a été créé, oui ou non? Maintenant, si on se prosterne devant lui, c'est parce que le Créateur est en lui. Mais est-ce que le Créateur ne peut pas habiter dans ce qu'il crée? Le Créateur, là, il ne peut pas habiter dans ce qu'il crée. Maintenant, si on se prosterne devant ce qu'il a créé, là, c'est par la révélation que non, c'est là se trouve le Créateur. Ce n'est pas ici où vous venez vous mettre à genoux pour prier. Parce que l'Écriture n'a pas dit que tout genou fléchira au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que vous trouvez Jésus ici que vous priez vos genoux ici. Vas-y, mon ami. Que vous n'utilisez plus votre propre opinion, mais que le Saint-Esprit vous a amené à un point où vos pensées et votre être sont l'Esprit de Dieu, voilà, s'exprimant à travers de vous. Quoi? L'Esprit de qui? De Dieu. S'exprimant à travers qui? De vous. Dieu s'exprime à travers vous. À travers vous. Voici la parole faite à chair. Voici la parole faite à chair. Voici l'adoption. Tu es arrivé à ce stade. La parole faite à chair veut dire la parole est devenue une représentation en toi. Donc quand on te voit, c'est la parole, on voit. Parce que tu penses la parole, tu parles la parole, tu vis la parole. Tu vois, la parole faite chair, ce n'est pas ton corps comme ça là. Non. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on peut tenter la parole? La parole peut-elle convoiter? Mais il fut tenté en toutes choses, Jésus. Oh non, au verset 14, et la parole, non, c'est le bébé là. Tout ça là, c'est quoi ça là? Ça, c'est de mauvaises explications. On doit chanter avec les catholiques. Il est né le divin enfant. On doit chanter. Cet enfant-là n'était pas divin. Il est devenu divin lorsque la plénitude de la divinité a habité corporellement en lui. Amen. Arrêtons la distraction. Arrêtons la distraction. C'est sa naissance qui est miraculeuse. Vas-y, mon frère. Quel genre d'église serions-nous? Quel genre de personnes serions-nous ce matin si ce Branham Tabernacle ce matin était si rempli de la pensée de Dieu? Si ils sont remplis de la
pensée de Dieu? Eh bien, oui. Que vous n'utilisez même plus votre propre esprit. On doit arriver à ce stade-là où notre pensée est la pensée de Dieu. Notre esprit est l'esprit de Dieu. Nos paroles sont les paroles de Dieu. Où notre signature est la signature de Dieu. Où notre présence est la présence de Dieu. Les gens ne veulent pas enseigner ce genre de choses-là. Pourquoi il peut enseigner ça? Mais c'est ça qu'on doit enseigner. C'est ça qu'on doit enseigner. Je vous ai donné la citation. Il dit, celui qui n'enseigne pas ça là a échoué. Je vous ai lu ceci la dernière fois. Tout celui qui n'enseigne pas ça a échoué. Il dit, c'est ça le message de l'Église. Amener Dieu sur la scène. Amener Dieu sur la scène. Est-ce que tu peux faire? Mais William Branham a fait des choses, il est parti en Inde, il explique là. Branham dit qu'en Inde, ils adorent même les mouches, c'est ici. Il dit qu'ils adorent tout. Il dit même qu'ils adorent même des hommes comme Dieu. Parce qu'ils disent que la semence, la vie vient de l'homme. Il dit qu'ils adorent tout. Il dit qu'ils ont plein de religions, ils n'ont pas d'église. Il dit, mais quand je suis parti là-bas, les gens avaient apporté l'évangile. Mais la puissance n'était pas là. Donc les gens ne considéraient pas. C'est ici, dans la parole fléchée au début. Il montrait comment Dieu l'a utilisé aussi. Il dit, je suis arrivé. Ils m'ont apporté un enfant qui était sourd-muet. Et j'ai dit à tout le monde, est-ce que si cet enfant-là guérit tout de suite, il parle et il n'est plus sourd. Il dit, s'il parle et il n'est plus sourd, est-ce que vous allez donner votre vie à Dieu? Ils ont dit oui. Seigneur, ouvre les yeux, les oreilles, cet enfant. Il dit, il a fait la main. Et l'enfant a tourné pour me regarder. Et l'enfant attendait. Il dit, tout le monde a commencé à pleurer. William Branham était obligé. Il a gêné, il a prié pour ça. De la manière dont Jésus est venu, et puis dit, l'argent sort. Allez, c'est tous les morts que Jésus a ressuscité. Quand Dieu veut faire, Dieu va faire. Il dit, le lendemain, ils ont apporté encore un homme qui avait les yeux grillés par le soleil. Et j'ai dit, est-ce que si cet homme voit, est-ce que vous allez. Ils ont dit, oui. Il dit, il a parlé, l'homme là, il l'a vu. Mais Branham n'avait pas de problème. Dites-moi, Jésus de Nazareth, il n'a pas eu de soucis dans la Bible. Non, qu'on arrête ça. Il y a un processus. Et on doit être dans ce processus-là. Patient avec nos erreurs. C'est à cause de nos erreurs que nos corps changeront. Nos corps, s'il n'y a plus de reins, on va partir à le corps là. Vous voyez, c'est à cause de nos erreurs que nos corps changeront. Pourquoi est-ce qu'il est écrit que Jésus a été crucifié à cause de sa faiblesse? Qu'est-ce qui était faible? C'est son corps là qui était faible. La chair est faible là, c'était ça. C'est pourquoi il devrait mourir pour ressusciter avec un corps que Marie ne peut pas accoucher. C'est pareil pour nous. Nous devons mourir et ressusciter avec un corps. Et quand notre corps glorieux, là, le corps glorieux de Jésus ne sera pas plus que notre corps glorieux. La différence ici, là, c'est sa naissance, son travail. Nous aussi, notre naissance est différente de pour lui. Et puis notre travail est différent de pour lui aussi. Et puis ça ne va pas quelque part. Ah, c'est ça là, c'est le rabaisser. On peut vous lire ça. Lisez un peu à la maison chez vous, la parole faite chère. Il y a un processus. Il y a un processus. Vous avez compris? Et restez dans ce processus-là. Même si tu convoites ou tu retombes même dans la cigarette, tu es retombé même dans la drogue, ne quitte, n'abandonne jamais la foi dans la parole de Dieu. Un jour, Dieu te relèvera. Parce que s'il existe qui relève les prostituées, il peut te relever si tu es devenu prostitué. Même si tu es redevenu prostitué, ça ne change pas Dieu. Toi, tu changes, mais Dieu ne change pas. Il peut toujours te relever. On ne doit pas se renier à cause de nos faiblesses. On ne doit pas se renier à cause de nos faiblesses. Oh non, j'ai fait ça hier ou avant-hier, j'ai honte. L'homme, même quand il n'a rien fait, son corps fait honte. Tu n'as rien fait. Va te laver et regarde-toi dans le miroir. Tout ce qui est sur toi là, c'est vilain. Ça fait honte. Donc la honte là, c'est pas du nouveau.
La honte là, ce n'est pas du nouveau. Il est écrit qu'on n'a pas reçu l'esprit de timidité. On peut avoir honte, mais on doit toujours se relever. Donc, ayez le regard fixé sur le plan de Dieu. Et relevez-vous à chaque fois. Satan te fait tomber, lève-toi, continue la marche. Oh non, il est rétrogradé, ce n'est pas grave. Rétrogradé là, c'est programmé. Il y a des gens qui sont venus. C'est quoi? Pardon? Donc, on va s'arrêter là, Jacob. Donc, en tant que le pasteur de cette église-là, je devais vous dire ça. Ce que nous disons là, c'est ce qu'un homme de Dieu a dit. Quand les gens vont sur le net, vont vous dire non, vous c'est Branham, vous laissez Jésus, vous laissez Branham. Nous aussi, on va vous dire, vous avez laissé Branham, vous avez pris Jésus. Mais les gens pensent que c'est eux qui ont toujours de quoi à dire. Oh non, on n'est pas d'accord avec ce que vous dites. Nous aussi, on n'est pas d'accord avec ce que vous dites aussi. C'est tout. C'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que nous on dit qu'on. Tu n'es pas d'accord avec ce que nous on dit. Nous aussi, on n'est pas d'accord avec ce que tu dis. C'est tout. Oh non, vous laissez Branham, Jésus prenez Branham. Toi, tu laisses Jésus et puis tu écoutes ton pasteur. Tu laisses Jésus et puis tu écoutes ton pasteur. Donc, laisse ton pasteur et puis va écouter Jésus. Comme on peut parler de Jésus sans un homme là. Va écouter Jésus. Frère, ne soyez pas effrayés. C'est Dieu qui bénit. Et ces personnes-là qui sont aujourd'hui dans les difficultés de compréhension là, finiront un jour par la grâce de Dieu par nous comprendre et nous rejoindre. S'il n'est pas trop tard pour eux, vous grandissez là-dedans. Grandissez là-dedans. Ayez une pensée forte. Priez. Croyez que vous pouvez tout avoir et tout ce que Dieu fait, vous pouvez faire. Oh non, comme tout ce que Dieu fait, on peut faire. Alors il a créé le ciel et la terre. Il faut créer le ciel et la terre. Actuellement même, Dieu lui-même ne peut pas créer le ciel et la terre actuellement. Mais le ciel et la terre sont calés. Il va créer quelle sépulcrité. Donc ne me demande pas de faire ce que Dieu lui-même ne peut plus faire. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Je ferai de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Il dit, je ferai. Pourquoi il ne fait pas ça maintenant? Il n'a qu'à faire. C'est un processus. Donc ne soyez pas embrouillés quand les gens viennent vous tenter, vous influencer. Non. Celui qui sait croit et qui peut défendre ce qu'il croit doit être tranquille dans sa tête. Croyez que Dieu peut vous exaucer. Il peut vous donner ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas que Dieu ne peut pas te donner. C'est parce que Dieu peut te donner qu'il dit à ceux qui n'en ont pas que je peux donner. Il ne donne qu'à ceux qui n'en ont pas. On donne à celui qui demande. Si tu demandes, c'est parce que tu n'en as pas. Ayez confiance en vous. Et ne laissez pas les évangiles Denis Cassia vous emmerder. Vas-y, mon frère. Que le Seigneur nous bénisse. Si le pasteur permet. Ok, on va prendre la dernière question. Que l'heure est vraiment partie. On espère que la personne est en ligne en train de nous suivre. Oui. Voilà ce que André me savait. Un homme qui est sur le net demande qui est Branham. Pourquoi est-ce qu'on en parle couramment? Si Monsieur Maurice Candem nous regarde, je vais lui demander aussi qui est son pasteur. Pourquoi est-ce que lui, il en parle couramment? Vous voyez, ça c'est pédagogique. Qui est ton pasteur? Pourquoi tu en parles couramment? Parce que ton pasteur est un homme qui te parle de Dieu. Nous, Billy Branham est le prophète de Dieu du temps de la fin. Donc Malachi 4, 5, 6 parle. Et c'est de lui que nous avons compris la parole de Dieu. Peut-être que vous direz, ah, ce n'est plus le Saint-Esprit qui comprend la parole de Dieu, c'est Branham. Pourquoi vous partez à l'église pour écouter un homme? Comme c'est le Saint-Esprit là, resté à la maison. Le Saint-Esprit fait comprendre la parole de Dieu au travers d'un homme qui a un ministère. C'est pourquoi on lit ses brochures, parce qu'au travers de lui, le Saint-Esprit a travaillé pour faire comprendre la Bible. William Branham est le livre dont parle Malachi 4. Si tu veux compléter, il faut compléter. Amen. Donc je crois que le bien-aimé frère a été bien servi et cela peut l'amener à comprendre. Ne peut plus à qui Dieu a donné de comprendre. Amen. Sur ce, nous allons nous tenir debout et nous allons passer au service des offrandes.
Je vais demander à la sœur Marie-Paul de nous donner un cantique. Tout le monde prépare son offrande. Amen. Voyageant dans le pays, je chante en marchant, qui dans les âmes au calvaire, au flot cramoisi, mon âme percée par les flèches, dedans et dehors, mon sauveur. Tout le monde. Que le Seigneur nous a fait du bien ce matin. Tu vas dire quelque chose encore à ton Dieu en guise de reconnaissance et tu vas aussi prononcer les paroles sur ton offrande. Ensemble, élevons la voix et chacun parle à son Dieu. On va donner le micro au prédicateur Marco. Il va prier et il va nous congédier. Priez aussi pour les offrandes. Seigneur, notre Dieu et notre roi, nous te bénissons ce matin, Seigneur, pour ce rassemblement que tu as rendu possible, Seigneur Tout-Puissant. Et au travers de ce rassemblement, Seigneur, tu nous as encore édifiés, Seigneur. Tu as encore augmenté à notre connaissance. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous avons aussi apporté aussi les offrandes à ta maison, afin qu'elles servent pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Tu as dit, quiconque le fait, Seigneur, en retour, toi, tu ouvriras pour lui les écluses du ciel. Seigneur, bénis ton église, Seigneur Tout-Puissant. Ouvre les portes à ton église, Seigneur, en sorte qu'il n'y ait point d'indigents au milieu de nous, que nos malades soient guéris. Seigneur, fortifie les faibles qui sont tombés en chemin, Seigneur, et relève-les, afin que, Seigneur,
demain pour ce culte encore, il soit présent parmi nous. Bénis ton serviteur, prends le contrôle de toutes choses. Toi, le Seigneur Jésus-Christ, en ton nom j'ai prié. Amen.